Many, many thanks for this proof of confidence, political confidence, et la dignité qu'il confère. Ceux qui n'ont pas de travail. La Commission sera politique. Je la veux plus politique. Elle sera très politique. Je veux vous dire ma conviction. Ma conviction est que cette commission sera la commission de la dernière chance. Soit nous réussissons à rapprocher les citoyens européens de l'Europe, soit nous échouons. Mais je voudrais que l'Union européenne retrouve et se dote d'un autre triple A. Moi, je voudrais que l'Europe ait le triple A social. Le triple A social est aussi important que le triple A économique et financier. Thank you very much, gentlemen. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Il a besoin de voir son collègue. Thank you. Que vos efforts pour redynamiser l'Europe et en créer un endroit. Nommé président de la Commission européenne par le Conseil européen, après le vote d'approbation du Parlement européen, je m'engage solennellement à respecter les traités et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans l'exécution de toutes mes fonctions. Scripta manent, monsieur le président. iPhone, monsieur. Nach vorne, the who are you?
L'accord fut laborieux, il prenait du temps, mais il a été fait. Depuis le début de ce qu'il est convenu d'appeler le cas grec, la Commission n'a cessé d'insister sur le fait que nous ne saurions accepter une quelconque forme de Grexit. Il n'y aura pas de Grexit. Europe, that's the baker in Kos who gives away his bread to hungry and weary souls. Europe is the students in Munich and in Passau who bring clothes for the new arrivals at the train station. Europe, that's those standing at the Munich rail station applauding and welcoming refugees. The Europe I want to live in is illustrated by those who are helping. The Europe I don't want to live in is a Europe refusing those who are in need. Like a pilot. Question is, where are we flying to? Thank you.
Vous ne marchez pas non plus. D'accord, merci. De bien vouloir garder une minute de silence en hommage aux victimes des attentats d'hier à Bruxelles. Thank you guys. Thank you. Appreciate it. Thank you, everybody. Thanks, everyone. Good morning, everybody. Let me begin by thanking Presidents Tusk and Juncker for the opportunity to meet today. We cannot lose sight of the extraordinary achievement that European integration continues to be. We complement each other and together provide peace and stability in Europe, our neighborhood, and beyond. For your leadership during the last years. Thank you, Bob. Well done.
Les choses difficiles sont difficiles, mais on a pu réussir et c'est l'important. Merci beaucoup tout le monde. On se parle tantôt. J'ai bien hâte de vous parler tantôt. Im Weißbuch stellen wir verschiedene Wege für die Zukunft der EU-27 vor. 5 Szenarien für die Europäische Union der 27, wenngleich es in der Wirklichkeit mehr Möglichkeiten geben kann. Les citoyens nous diront ce qu'ils attendent de l'Union européenne. Ils exprimeront sans doute leurs doutes, leurs interrogations, mais aussi leurs espoirs. À nous d'y répondre. Della Commissione europea. Oui. Il a eu un croix. Nick Shaw, ça conçoit. Ah, fin de soir. Hi. Gente, guardatevi avanti. Presidente. What would be your message? I would start. We have to give a future-oriented, an answer in perspective to those who are young. I'm pleading in favor of the highest respect for those who are grandparents, because those who are grandparents, they are not only the parents of their children, but they have duties, once again, in this intergenerational chain. We started off with a question. Herrn Jean-Claude Juncker das Wort erteilen. Wir nehmen heute Abschied von Helmut Kohl, dem deutschen und dem europäischen Staatsmann. Er spricht hier nicht der Kommissionspräsident. Er war jemand, der zum kontinentalen Monument wurde, wo dem deutsche und europäische Kräfte, die ihm ans Herzen gewachsen war. Diesem Wunsch musste entsprochen werden, dem Europäischen, das sein muss. Der Französische, ce jour-là, à tout jamais.
la fraternité entre la France, Ruhe verdient. Ewige Ruhe. We have now a window of opportunity, but it will not stay open forever. Let us make the most of the momentum, catch the wind in our sails. Now is the time to build a more united, a stronger, a more democratic Europe for 2025. Proclamation document. Notamment à trois défis majeurs. Au premier rang de ces défis, nous avons la jeunesse de la population africaine. Africain est indispensable. Aujourd'hui, moins d'un jeune sur deux accède au collège.
et moins d'un jeune sur quatre accède en Libye et nous interpelle sur une situation, notamment dans les infrastructures de transport, d'énergie et du numérique. Nous sommes venus pour redynamiser notre partenariat, qui doit être un partenariat d'égal à égal. Der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten und werde nicht heute Nachmittag, sondern heute Abend beim Abendessen über die Handelsfragen reden. Dank des europäischen Investitionsplans, was wir zustande gebracht haben, sind 335 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen, was zeigt, dass die Grundarchitektur des Investitionsplans von Anfang an, das haben ja viele bezweifelt, stimmig war, weil die Hebelwirkung auch genau die ist, die wir als Arbeitshypothese angenommen haben. Dies ist möglich, weil es einen nahtlosen Schulterschluss zwischen der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission gegeben hat. Well, thank you very much. It's a great honor to have President Jean-Claude Juncker from the European Union. He's a man that I've gotten to know very well. He's a very smart man and a very tough man. We also want a big beneficiary, frankly, to be the European Union. So we think it can be good for everybody, and that's what we're here to discuss. Mr. President, thank you very much for coming. Thank you. Yeah, it's my pleasure, Mr. President. I wanted to thank you for having taken the initiative to invite me to the White House. And with that, Jean-Claude, please. Mr. President, ladies and gentlemen,
when I was invited by the president to the White House, I had one intention. I had the intention to make a deal today. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you.
Bye. Have a good day. How are we going to deal with Donald Trump? Okay, thank you. Oui, cher Donald, j'ai suivi avec intérêt vos écrits et vos reportages. Vous avez, vous aussi, je crois, pour de larges parts mérité de l'Europe. Je resterai fier jusqu'à la fin de ma vie d'avoir pu servir l'Europe. Merci. Lorsque je me suis présenté devant vous, j'avais trois mots d'ordre dont je voulais qu'ils dictent la conduite de la Commission. Croissance, emploi et investissement. Nous sommes en train de vivre le 25e trimestre consécutif de croissance. Nous avons connu 7 années de croissance en Union européenne. Nous avons créé 14 millions d'emplois. Le plan Juncker a généré des investissements de l'ordre de 432 milliards. Ich war stolz darauf, während langer Zeit, vor allem in den letzten 5 Jahren, ein kleines Teilchen eines größeren Ganzen zu sein, das wichtiger ist als wir. Prenez soin de l'Europe. Et combattez de toutes vos forces les nationalismes stupides et bornés. Vive l'Europe!